Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour encore sur l'analyse de cette conférence de presse du sélectionneur principal de l'Europar de la République démocratique du Congo. C'était hier, mercredi 10 mars 2021, en marge de cette double rencontre qui va opposer d'abord le 25 mars prochain la RDC au Gabon. Ce sera à Libreville dans le cadre de la cinquième journée de ces éliminatoires. Ensuite, ici à la maison, quatre jours plus tard, le 29 mars, contre la Gambie. Et à cette occasion, Christian Tsengui-Biembe a rendu public la liste des 31 sélectionnés avec les 9 joueurs qu'il garde en réserve pour suppléer en cas de problème, genre COVID-19. Et Christian Tsengui-Biembe qui a répondu en tout cas aux questions des journalistes en rapport avec sa gestion bien sûr de l'équipe nationale, et nous parle notamment ici de la foi qu'il a sur les joueurs qu'il a en sa possession, aussi bien des locaux et des professionnels, des binationaux également. Et c'est ce que nous voulons vous proposer. Ensuite, nous allons placer un petit mot pour analyser ce que vient de dire le coach de la République démocratique du Congo, qui a foi en tout cas en ses joueurs, et il n'a pas tort. Parfois même il a plus de foi par rapport aux journalistes qui lui posent des questions, qui ont peut-être peur en citant en tout cas un certain nom des joueurs gabonais, alors qu'au sein des Léopards de la République démocratique du Congo, nous avons des joueurs aussi qui doivent faire peur de l'autre côté. Je vous propose d'écouter Christian Tsengui-Biembe. Ensuite nous allons nous retrouver pour clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce que c'est ça qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Christian Tsengui-Biembe, nous nous retrouvons tout de suite après. J'ai foi, mes joueurs. J'ai l'impression que ça fait deux questions où vous êtes sceptique et où vous ne mettez pas foi à vos propres joueurs. Si on ne les met pas, vous avez tous crié, vous n'avez pas mis un tel, vous n'avez pas mis un tel. Mais quand on gratte bien, on analyse bien vos questions, vous avez peur. Et ça, ça se voit, parce que vous êtes toujours dans l'inquiétude. Est-ce qu'on peut, est-ce que ça va aller, est-ce qu'il faut aller? Non. Imaginez-vous que je vienne, disons, à un briefing en disant, est-ce que ça va aller, les gars? Vous pensez que ça va aller? Qu'est-ce que je vais donner à mes joueurs? Alors vous-même, vous posez ces mêmes questions, ces joueurs écoutent aussi. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas aussi espoir en eux. Moi, je vous dis honnêtement, moi j'ai foi à mes joueurs. Qu'ils soient local, binational, j'ai foi à mes joueurs. Nous l'avons prouvé avec le U23, on l'a prouvé avec le CHAN, on le prouvera encore avec les joueurs qui vont devoir aller à la CAN. C'est simplement ça. C'est la foi que nous avons. Nous n'avons pas encore été battus, je l'avoue encore une fois. On n'a pas encore été battus. Et on veut rester invincible à ce niveau-là, si c'est possible. Voilà. Et avec une qualification, bien entendu. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, Christian Tsengui-Biembe, en conférence de presse hier, mercredi 10 mars 2021, occasion pendant laquelle il a eu à rendre publique sa liste des sélectionnés en équipe nationale, les 31 internationaux appelés à affronter le Gabon le 25 mars prochain et la Gambie le 29 mars prochain. Ajouté à ces 31, 9 joueurs qui sont dans la liste des réserves. J'aime bien, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais en tous les cas, moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apprécié en tout cas l'état d'esprit de cet entraîneur, l'état d'esprit de Christian Tsengui-Biembe, qui est un état d'esprit en tout cas de gagnant, quelqu'un qui n'est pas défaitiste, comme l'image qu'il a en tout cas des journalistes qui lui posent des questions sur place. Bien évidemment, la presse fait son travail au regard des informations qu'elle a, au regard aussi des statistiques peut-être de l'autre côté, mais il y a un paramètre dont on ne tient peut-être pas compte, c'est que dans ce groupe où on est troisième à un point, à une petite longueur du Gabon et de la Gambie, la RDC demeure l'unique équipe, le seul pays qui n'a pas encore perdu, et ça c'est aussi très important. Ça signifie que quelque part notre défense tient le coup, et c'est une très bonne défense. Je rappelle que la Gambie avait été battue
battue au Gabon et le Gabonais également l'avait été en Gambie. Et la République démocratique du Congo demeure la seule nation qui n'a pas encore perdu dans cette compétition. C'est important. Et si nous gardons en tout cas, si nous restons en tout cas dans cette dynamique-là, nous pourrions facilement nous qualifier. Il est vrai aussi que la RDC joue quand même bien, même si au début on a un peu balbutié et surtout à domicile on a perdu des points, mais on n'a pas perdu de match du tout. Je pense que le sélectionneur de la République démocratique du Congo, qui se dit être confiant, il a foi en ses joueurs, hein. Il ne fait pas de distinction entre les locaux ou les binationaux ou encore des professionnels, hein, parce qu'on a des joueurs qui ont évolué ici et qui sont partis, tels que les Dieu merci Mbokani de Chancel Mbemba, le meilleur Congolais actuellement, hein, c'est mon point de vue. Et donc, la RDC n'a pas de complexe à avoir face au Gabon ou face à la Gambie. Si nous commençons à avoir des complexes face au Gabon et à la Gambie, et qu'est-ce qu'il en sera en tout cas si on est face à l'Égypte, face à la Tunisie, face au Cameroun et face à des grands de ce continent. Donc, moi, j'ai apprécié cet état d'esprit et je pense que si il transmet ce mental à ses joueurs, aux joueurs des Léopards en tout cas, je crois que le 25 mars, on peut s'attendre à un bon résultat. C'est quand même bien et l'exemple doit venir d'en haut. Et je pense que et maintenant que nous sommes à quelques jours de ces deux matchs, la presse devrait accompagner aussi cette équipe nationale, non pas en tout cas avec des remarques, hein, qui tendent en tout cas à décourager. Imaginez lorsque vous parlez des joueurs tels que Aubameyang, on ne refuse pas, mais vous avez un certain Chancel Mbemba qu'on appelle demi-dieu ici et qui a gardé Cristiano Ronaldo muet, ajouté à cela Alvaro Morata muet durant 210 minutes, vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, vous venez parler de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est quelque part rabaisser Chancel Mbemba et ne pas reconnaître le travail qu'il a eu à abattre et qu'il continue à abattre en tout cas au sein de sa formation, de son club, hein, le FC Porto au Portugal. Je pense que la Champions League européenne, c'est la meilleure compétition interclub dans le monde, je pense, hein. Et donc, si Chancel Mbemba arrive comme ça à museler l'un des meilleurs joueurs au monde, je crois que ce n'est pas par hasard et ce n'est pas rien. Les Congolais, nous devons aussi apprendre à reconnaître la valeur et la qualité que nous avons, sans toutefois minimiser la qualité qu'il y a du côté gabonais. Je pense que ce sera, à mon avis, un match qui sera équilibré, hein, et l'équipe qui aura un mental fort, hein, pourra prendre les dessus. Et j'espère que ce sera la République démocratique du Congo. J'espère que la RDC aura plus envie de remporter ces 3 points que les Gabonais et ainsi nous permettre en tout cas de bien nous positionner pour avoir une qualification à cette CAN Cameroun 2021, mais qui va se jouer, vous le savez bien, en 2022. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous, Christian Tenguibiembe, face à la presse, hein, lui qui veut se montrer en tout cas confiant, il veut croire en cette qualification. Je pense que nous devons tous l'accompagner et croire comme lui à cette qualification et pourquoi pas un Lille pour nous offrir la qualification. Après tout, Elia Meshak, lorsqu'il avait décanté la situation au Stade des Martyrs ici face à l'Angola, c'était aussi un joueur local. Je crois que nous devons apprendre à faire confiance à nos joueurs, hein. Et je suis très content, particulièrement content, parce que Christian Ntengibiembe ne fait pas en tout cas de distinguo entre les joueurs locaux et des binationaux. C'est quelque chose qu'on semblait aussi vouloir lui reprocher, hein, lorsqu'on avait suivi cette émission sur la chaîne nationale, où on voyait le journaliste Fouassa Tombissa insister beaucoup plus, hein, sur l'utilisation des joueurs locaux. Et Christian Tenguibiembe, dans son interview avec Kabulo Mwana Kabulo, a plus parlé d'un équilibre, hein, en tout cas prendre les meilleurs. Si les meilleurs se trouvent du côté local, eh bien il prendra des meilleurs ici, et s'il y en a du côté des professionnels, il prendra là-bas. Et c'est, je pense que cette équipe, cette liste qu'il nous a donnée est quand même équilibrée, et je pense qu'actuellement ce sont les meilleurs qui se retrouvent dans cette liste-là, même on a toujours quelque chose à redire, hein, mais nous devons faire confiance à ceux qui sont là, les aider en tout cas à aller nous chercher cette qualification, ou en tout cas chercher à faire la moitié du chemin du côté de Libreville, hein, en refusant en tout cas de concéder la moindre défaite, hein. La défaite pour nous à Libreville doit être un match nul, mais je pense que nous avons la possibilité, avec un mental très très fort, un mental régaillardi, de remporter ce match là-bas. J'espère que les politiques vont accompagner cette équipe, et notamment le chef de l'État, Félix
Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous. N'hésitez pas de nous faire part de cela à travers un commentaire. Merci et de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous pour la confiance que vous ne cessez de manifester à cette chaîne DMTV. Continuez à vous abonner. Abonnez-vous massivement à cette chaîne et pour nous permettre aussi de bien travailler afin de nous montrer dignes de votre confiance. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Nous vous disons au revoir.